nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec moi. Aujourd'hui, nous avons la joie de célébrer la miséricorde du Seigneur, c'est le dimanche de la miséricorde institué par le pape Jean-Paul II. Et nous aurons, au cours de cette célébration, le baptême d'un enfant scolarisé. Au début de cette célébration, nous allons rappeler notre baptême par le rite de l'aspersion. Nous te bénissons, nous t'adorons.
Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre à Rome. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous, que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés. Pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié pour le feu, afin que votre foi soit louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans le voir. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et
Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit : La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas : Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la de mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit : Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais cela a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Le pape Jean-Paul II a institué, il y a une vingtaine d'années, la fête de la miséricorde, le dimanche qui suit le dimanche de Pâques. Et la fête de la miséricorde s'exprime de façon toute particulière dans l'évangile de ce jour. Miséricorde vient de deux mots, misero, avoir pitié, et cordis, qui veut dire cœur. Le cœur de Jésus est pétri de pitié pour chacun d'entre nous. Et ça s'exprime de façon toute particulière dans l'évangile de ce jour. Jésus traverse les murs de la tristesse pour rejoindre les disciples qui avaient peur, qui avaient la porte de leur cœur verrouillée. Et Jésus leur apporte la paix. La paix soit avec vous. Il ne juge pas les disciples. Rappelons-nous que le jeudi saint, après le repas, Jésus est resté seul. Et Pierre, Jacques et Jean, Gethsémani. Après, Jésus est resté seul. Jésus n'a aucun reproche. Jésus ne fait aucun reproche sur leur défection. C'est cela la miséricorde de Jésus. Il leur dit pas, mais vous êtes bête devant moi maintenant qui suis ressuscité. Non, il ne dit pas ça. Il dit à chacun, la paix soit avec vous. C'est cela la miséricorde de Jésus. La miséricorde s'exprime encore 8 jours après, lorsque Jésus va rejoindre la misère de Thomas. Effectivement, lui, Thomas, il avait tout misé comme les disciples sur Jésus. Et avec la mort de Jésus sur la croix, il se croyait, donc Thomas, il se croyait trahi, trompé. Et c'est exactement le même récit de ce qui s'est passé avec les pèlerins d'Emmaüs. Ils parlaient entre eux sur le fait qu'ils s'étaient fait en quelque sorte avoir, en quelque sorte. On a tout misé sur Jésus, du là qu'il est mort. Disciple d'Emmaüs. Et Thomas se devait
Jésus est venu le rejoindre pour lui redonner l'espérance, c'est-à-dire la vie. Dans la notion de miséricorde, il n'y a pas simplement la notion d'avoir pitié ou de rejoindre l'autre. Jésus qui s'abaisse vers les disciples. Il y a aussi la notion de redonner vie. Jésus redonne vie à Thomas, qui s'exclame à pleine voix, tel un cri de libération, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Lui, on pourrait dire qu'il était assez renfermé depuis une semaine, la passion, même si on avait dit que Jésus était ressuscité. Il avait, on pourrait dire, le moral à zéro. Et là, un cri de libération. C'est un petit peu le cri de l'enfant quand il naît et qui prend l'air. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas retrouve la vie. Jésus lui redonne la vie. Au début de l'évangile de ce jour, on voit que la vie a également été donnée aux disciples. Autres disciples. Une semaine plus tôt, le Christ miséricordieux va souffler sur eux, comme il dit. Il souffle sur les 10 disciples. Une semaine avant le récit de Thomas. C'est ce que nous avons vu au début de l'évangile. Et c'est le même verbe, souffler, qui est utilisé dans le récit de la Genèse, quand il est dit que Dieu insuffla une haleine de vie dans Adam. C'est le même souffle. On retrouve ce même verbe, notamment dans le livre d'Ézéchiel, quand le prophète dit que l'Esprit souffle dans les morts, puisque c'est les ossements desséchés, l'Esprit souffle dans ses morts et leur redonne la vie. Thomas et les autres disciples, par la miséricorde de Dieu, retrouvent la vie du Seigneur. La miséricorde de Jésus se manifeste par la pitié que Jésus a pour nous, mais aussi par la vie qu'il nous donne. À cette miséricorde procure la joie. Et c'est ce que nous dit saint Pierre dans la deuxième lecture, je cite, « Vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. » Nous avons des épreuves, la miséricorde du Seigneur vient nous rejoindre, nous donner l'espérance, nous redonner la vie, et nous procure la joie. N'ayons pas peur de montrer à Jésus miséricordieux nos limites, nos misères, ce qui nous fait souffrir. Jésus a pitié de chacun de ses enfants. Il y a un évangile que nous connaissons tous, c'est le récit de la femme adultère quand tout le monde veut lapider cette pauvre femme, et puis Jésus fait des signes par terre. Et saint Augustin de dire, à la fin de ce récit, puisque personne n'a condamné cette femme, puisque tout le monde est parti, il est resté en scène, en quelque sorte, deux personnes, la misère, cette femme, et la miséricorde, Jésus. C'est tout le sens aussi du sacrement de confession que l'Église nous donne comme un cadeau. Comme dit le pape François, je cite, « La confession, c'est le passage de la misère à la miséricorde. » Il poursuit, le pape François, « La confession nous fait passer du fait d'être seul avec nos misères, comme cette femme adultère qui était seule avec sa misère, au fait d'être relevé et encouragé par le Seigneur qui nous fait repartir. » Est-ce que
Confions à Dieu qui est miséricorde notre misère. Nous sommes deux, Jésus, la miséricorde et nous, avec notre misère. Face à la misère qui nous rejoint tous, hein, et la misère en tout genre, hein, la misère relationnelle, la misère financière, la misère liée à la maladie. Face à la misère qui nous rejoint tous, nous expérimentons solitude. Face à la souffrance, à la misère relationnelle, face à la misère dans un couple aussi, face à la misère dans la société, à l'hôpital, quand on souffre, face à cette misère, nous expérimentons une solitude, comme cette femme adultère. Une solitude, on est seul devant la misère. Et la fête de la miséricorde est là pour nous rappeler que nous avons à vivre notre misère avec le Christ miséricordieux, qui est là pour nous aider à porter notre misère, à porter notre croix, comme Simon de Cyrène a aidé Jésus à porter sa croix. On pourrait dire que les rôles sont inversés. C'est Jésus qui est Simon Cyrène et qui nous aide à porter notre croix. Devant la croix, nous sommes seuls. Nous sommes seuls à porter la croix. Bien sûr, il y en a qui nous aident, une personne qui nous aide. La notion d'église, hein, la notion de famille. Mais nous sommes quand même seuls. Et celui qui vient porter vraiment notre croix, notre misère, c'est notre Simon Cyrène à nous tous, qui est Jésus miséricordieux. Mettons-nous devant ce Jésus plein de miséricorde, confions-nous notre misère, lui qui a pitié de nous, lui qui veut nous redonner la vie, lui qui veut nous donner la joie dans la vie qu'il nous donne, lui qui ne veut pas nous laisser seuls. Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié, en pitié,
Toi, Seigneur, la foi de ton Église. Elle annonce à tous la bonne nouvelle de ta résurrection. Elle te cherche dans les visages et les cœurs de ceux qui viennent à elle. Fais descendre sur elle ta paix et ta lumière dans le monde entier. Seigneur, dans ta miséricorde, Seigneur, veulent donner un sens à leur vie et voient la foi des nouveaux baptisés engagés de tout leur cœur à ta suite. Fais descendre sur eux ta paix et ta lumière. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur. Amen.
Thank you.
car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement Maria Bosco Pitrelli, une période de souviens-toi dans ta miséricorde de ces défunts accueillis dans la lumière de ton visage. Sur le tout sans fin, nous implorons ta volonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire.
avec les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Thank you.
Ce premier week-end, enfin ce premier samedi, on revient chez les notaries, vous aurez toutes les explications actuellement. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le faire savoir soit de moi et Caroline Sénéchal, Louis David Ferrand ou moi-même. Pour ceux qui n'auraient pas nos coordonnées, on vous le mettra sur la prochaine fois d'annonce dans les semaines à venir. Merci à tous. Parmi nous, il y a des hommes, et dans 15 jours, on a besoin de vos bras, plutôt de nos bras, parce que je suis aussi, je crois. Et on a besoin de nos bras pour nettoyer la cathédrale. Ça n'a pas duré longtemps, ça va durer 1h30. Non, 2h30. 2h30 comme les salles, c'est 2h30. 2h30 donc, pour nettoyer la cathédrale, donc c'est dans 15 jours, samedi, de 10h à 12h30. Réservez bien cette journée, donc les femmes sont interdites. Donc ça c'est le samedi 29 avril. Pour ceux qui ont bien travaillé le dimanche 30 avril, il y a le repas de juste. Même si c'est même ouvert à ceux qui ne vont pas travailler. Il y a le repas de juste. Comme tous les dimanches plus ou moins, il y a un repas pour tous ceux qui veulent. On peut apporter soit une entrée, soit un fromage, soit un dessert. Donc c'est le dimanche quand vous avez des flyers, des petits papiers dans le fond de l'église. Il y aura également une exposition sur les miracles eucharistiques dans la cathédrale à partir du 28 avril jusqu'au 12 mai. Et donc c'est une exposition qui a été confectionnée par Pierre-Louis Calois Gautis. Donc il y aura plusieurs panneaux. Et on aimerait qu'il y ait une petite permanence chaque jour. Et on attend que des personnes s'inscrivent, c'est-à-dire vous, moi, pour faire un petit accueil. Tout simplement montrer qu'il n'y a pas simplement que des panneaux dans une église, mais aussi des chrétiens dans une église. Et du coup, vous pouvez vous inscrire si vous voulez assurer une petite permanence d'une heure ou deux heures durant les créneaux. Il y a très peu de créneaux, donc c'est facile à remplir. Mais mettez-vous, je pense que c'est un bon témoignage, une façon d'évangéliser, pas trop compliqué. Et comme chrétien, on est invité à témoigner notre amour pour Jésus. Cet après-midi, donc, puisque c'est la fête de la miséricorde, il y a donc le chapelet de la miséricorde qui se livrera, c'est très court, à 15h à Saint-Pierre, donc cet après-midi, suivi des vêpres et un temps d'adoration et possibilité de se confesser, de recevoir la miséricorde divine. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu tout-puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue.